Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le Flash. On commence comme tous les jours par le traditionnel point météo. Vous le voyez, du soleil au programme de ce jeudi avec 25 degrés attendus dans l'après-midi. Dernier entraînement public pour les Girondins ce jeudi matin. Vous les voyez derrière moi à l'étirement avant leur déplacement à Valenciennes ce samedi soir à 19h. Notez qu'il y a 4 absents côté valenciennois. Le défenseur Rudy Mater, l'attaquant Vincent Aboubakar, le milieu Guillaume Loriot et le deuxième gardien Jean-Louis. Le cas côté bordelais, Henrique est toujours blessé, tout comme David Bélion qui a repris la course ce jeudi matin sur tapis roulant. Le test a été plutôt concluant, ça s'arrange donc pour David Bélion. Monsieur Piccirillo au sifflet pour cette rencontre, il a pour l'instant arbitré un match cette saison, c'était Lyon-Ajaccio. Ça s'est soldé par un match nul, un but partout. Et puis c'est aujourd'hui que la liste des sélectionnés en équipe de France pour l'éliminatoire de l'Euro 2012 a été dévoilée. Comme toujours, Cédric Carasso fait partie de cette liste pour les matchs Albanie-France et Roumanie-France. Et puis un autre sélectionné bordelais, c'est Henri Cévé, cette fois-ci avec les Bleuets pour l'éliminatoire à l'Euro 2013. On leur souhaite bonne chance à tous les deux. Et puis, saluons à présent la nouvelle association de supporters dans le Lot-et-Garonne. Le club fan des Girondins de Bordeaux d'Agen, c'est tout simplement la première association dédiée aux Girondins dans le 47. Bienvenue à eux. Enfin, cette dernière fausse information à présent que vous avez peut-être lue hier dans Le Parisien et reprise sur plusieurs sites internet évoquant la possible fermeture de certaines chaînes de clubs dont Girondins TV. Eh bien, on tient à vous rassurer, cette information est totalement fausse. Girondins TV est toujours là et compte bien d'ailleurs se développer grâce à tous ses abonnés. On tient d'ailleurs au passage à vous remercier encore. Voilà pour l'essentiel de l'actu. On se retrouve très vite sur Girondins TV.